I make it this far, they hate it, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball, I know I make it look easy. Qui n'était pas là mardi? Il y a juste Max, Mastias et Dylan, c'est ça? Donc tous les autres, vous savez ce qu'il faut faire. Vas-y Nico. Regardez. Ok, stop. Qu'est-ce que j'ai demandé mardi que vous n'avez pas fait là, maintenant? Il y en a qui l'ont fait, mais pas tous. Merci. Eh, les gars, si vous êtes au plot et que vous attendez le ballon comme ça, ça sert à rien. Là, dimanche, les mecs de la R2, ils seront avant vous, déjà 10 secondes avant. Encore une fois, dimanche, on va jouer une équipe de foot qui joue bien au-dessus, qui ont l'habitude de ça. Les passes téléphonées qu'on fait d'habitude, ça passera pas. Les passes à deux à l'heure, ça passera pas. Les contrôles au ralenti, ça passera pas. Donc si on se met pas maintenant, tout de suite, c'est mort. On peut déjà rester chez nous dimanche. I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this, go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming, what we doing? Keep it moving. Très grand match, hâte de voir les gars jouer parce que je pense qu'ils vont kiffer de jouer avec un niveau supérieur à eux, mais je pense qu'ils vont pas être ridicules, ils sont bien préparés, ils se donnent vraiment bien à fond à l'entraînement, donc je pense que ça va être un beau match et j'espère qu'ils vont ramener la victoire, ça serait top. Toi t'es toujours blessé du coup? Pas trop toujours frustré? Toujours blessé, ça fait chier de les voir jouer et de pas pouvoir m'entraîner avec eux, mais bon, rupture des ligaments croisés, longue convalescence. Faire opérer bientôt et on va revenir petit à petit. Bah ça va être un match compliqué, on sait c'est une R2, il y a 5 divisions au-dessus de nous. Même si on n'a pas le niveau de la D3, je pense que avec toute humilité on a un meilleur niveau. On sait que ça va être compliqué, excusez-moi je reprends le souffle. Et pour les avoir vus jouer en plus l'année dernière en finale de Coupe de Paris, je peux vous dire que c'est une très bonne équipe. Donc bah, là on s'entraîne pour préparer l'échéance. Hein. Et puis voilà, on espère gagner. Ce soir, on a la chance d'avoir des petits buts. Vous avez des foulards dessus, bleu, orange, rose et jaune. Ok, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, conserve de balles, normal, 3 touches de balles. Et à un moment donné, je vais vous donner une couleur, il faudra les marquer dans cette couleur. On évite le jeu en l'air, s'il vous plaît, au maximum. Vous avez le droit si vous n'avez pas le choix, mais on évite au maximum, ok? Parce que notre force, ça va être de jouer dans les pieds, rapide. Prenez l'info avant d'avoir le ballon, prenez l'info avant d'avoir le ballon. Jaune, jaune. 1-0. À l'orange. Ouais, va de côté, va de côté. On a au milieu. Ouais, bien joué. Encore au milieu. Plus vite Nathan, plus vite, je dois pas te le dire. Eh ouais, ballon bleu. Ça fait 5 touches, mais c'était bien joué. Oui, ouais, c'était ça. C'était ça, appuie ta passe, Didi, appuie ta passe. Oui, eh ouais, trop facile, tu la joues trop facile. Ah, dommage. Eh ouais, faut finir, hein, faut finir, faut être un dalleux, faut finir. Ah oui, faut être un dalleux, on est trop gentil. Est-ce que j'ai donné la règle? Stop. Est-ce que j'ai donné la règle? Est-ce que j'ai dit, si vous prenez la balle, tu ressors d'où? T'as des surfaces d'où? Ah ouais, faut avoir la dalle, faut être un salaud. Dimanche, t'inquiète pas, ils vont avoir la dalle. Hein. Eh oui, allez, stop, vous allez boire un coup. Allez, petit fractionné, messieurs, c'est parti. Ouais, c'est la même chose que mardi, les gars. 10 secondes, 20 secondes, d'accord? Allez, insistez sur les 6-7 premières secondes, surtout. D'accord? Les 6-7 premières secondes pour aller chercher du jus. Et après, vous décélérez sur les 3-4 dernières. D'accord? L'idée, c'est les départs, là. C'est les quelques premiers mètres, là. On va vous donner du jus pour dimanche. Hein. Allez, petit, let's go!
Oui. Je veux une réponse honnête, mais vraiment honnête et réaliste. Ok? En plus honnête. Qui pense qu'on peut gagner dimanche? Levez la main. Honnêtement. Non mais... J'ai entendu des gens dire qu'on allait perdre dimanche. On est d'accord? On est d'accord. Qui y croit vraiment? Qui y croit vraiment? Non mais les gars, après on peut être réaliste, c'est une R2. Hein. C'est une R2, c'est un niveau qui est largement au-dessus de nous. On est d'accord, moi je vous donne ma pensée. Je vous donne ma pensée ou pas? En un match, tout est possible. Par contre, si vous sortez de ce vestiaire et que vous n'êtes pas au maximum, là je vous le dis, le match il est perdu d'office. Je vous le dis clairement. Dimanche, il me faut des joueurs à 3000%. Mais quand je vous dis 3000%, c'est surtout techniquement, l'envie, l'acharnement, le collectif et la hargne. Il est hors de question qu'on prenne une branlée chez nous. Je veux qu'ils sortent de ce terrain en se disant « Eh bah putain, on a joué une D3, on s'est fait niquer nos races. » Mais pour ça, il faut que chacun de vous soit à fond. Moi, je vous le dis, moi, sur le bord du terrain, je serai à fond. Hein. Parce que vu qu'on va être forcément, peut-être techniquement, un peu en dessous, ce qui va combler ça, ça va être l'envie. Parce qu'ils vont sûrement arriver en se disant oh, « D3, eh, vas-y, facile. » Facile. Comme la D1 l'année dernière. Sauf que la D1, elle est rentrée chez elle avec une défaite. Amse Jib, tu m'avais fait un match énorme. Je veux le même dimanche. Je veux le même. Ok? Ça marche? S'il faut que tu mettes une reprise comme tu m'as mis l'année dernière, avec plaisir, mon grand. Aujourd'hui, c'est la Coupe de France. Vous l'avez vu dans le titre. On va affronter une équipe de R2, c'est le AC Paris 15. AC Paris 15, grosse équipe de R2. Grosse équipe qui va tout simplement, c'est aujourd'hui à Magnanville. C'est bien parce qu'avec l'expérience qu'on a maintenant accumulée, ça fait de plus en plus rare de louper nos... Enfin, je veux dire... Qu'on fasse une grosse cagade ou genre on fasse un non-match. Voilà, c'est ça. Les non-matchs sont de plus en plus rares, donc ça fait plaisir. J'espère vraiment que ce serait pas aujourd'hui que ça tombe, parce que c'est vrai que si on fait un non-match, qu'on joue très mal et qu'on se prend un 8-0, ce serait très compliqué, très compliqué pour tout. Dommage. Mais en tous les cas, je pense que, comme vous le savez, la Coupe de France et même le foot en général, c'est possible sur un match. La composition d'aujourd'hui, Vince, peut-être que je te laisse la lire avec... Alors attends, juste 1, 2... Je crois qu'il y a deux nouveaux joueurs, ouais. C'est deux nouvelles recrues, c'est les arrières latéraux. Exactement, donc dans les buts, Herman, vous connaissez tous. Hein, d'ailleurs, c'est sa compétition en général, Herman, sur les matchs de Coupe de France. Il est assez performant, donc on attend beaucoup de lui aujourd'hui. En défense centrale, Ibé Emir, ça c'est du classique. C'est la défense qui a fini la seconde partie de saison l'année dernière. Donc ça se connaît. Et donc les petits nouveaux que vous allez découvrir sur les côtés, Tom à gauche, arrière latéral gauche. Très très bon joueur, ça va être il a fait des bons matchs amicaux. Donc on attend beaucoup de lui aujourd'hui. Et côté droit, Nelson, pareil, hein, un petit jeune de... Je crois qu'il a 18 ans, 19 ans, Nelson. Ouais, je sais plus exactement, mais il est très jeune. Très très jeune, vous allez voir, c'est une mobilette le gars. Mmh. Il a énormément de jus, participe beaucoup offensivement, très fort physiquement. Donc on compte beaucoup sur eux aujourd'hui. Milieu de terrain, Djibril Dylan en 6. En numéro 10, Mathias, ça vous connaissez. Nico à gauche, pareil, hein, qui est arrivé en début de saison l'année dernière, qui a fait une très bonne première saison avec nous. À droite, on a Nathan Villa, que pareil, vous commencez à connaître très très bien. Ouais. Et devant, ce sera Arthur. Arthur qui n'est pas un vrai neuf, hein, c'est plus un numéro 10, mais bon, il a joué plusieurs matchs l'année dernière un peu dans ce rôle. En général, il joue un petit peu faux neuf avec Mathias qui peut prendre la profondeur quand Arthur redescend. Donc on va dire qu'on a quasiment une équipe type, c'est aussi ça qui est important aujourd'hui. C'est important, donc on rappelle le staff, hein, Maxime le coach principal, on a Romain qui est son adjoint et du coup mon père qui est le président qui sera sur le banc. Il y a Shemseddin, Maxime Drey et Camille qui seront sur le banc. Apparemment, il y a des gens qui connaissent l'équipe en face et qui nous disent que le numéro 10 est très fort. Ouais, donc, de toute façon on s'est un petit peu renseigné dans la préparation du match. Je te laisse un petit peu parler de l'AC Paris 15, tu as un petit peu étudié l'équipe en face. Ouais voilà, donc c'est une équipe qui joue en Régional 2 à Paris, c'est une grosse équipe. L'année dernière ils étaient en finale de la Coupe de Paris, si je dis pas de bêtises. Ils ont perdu au tir au but contre le FC Mantois, hein, qui est la grosse équipe de notre région. Donc voilà, c'est une équipe qui est habituée à jouer les premiers rôles en R2 chaque année. Et puis là, pour leur premier match de la saison en championnat, ils ont perdu à domicile 3-1 contre INI, je crois, c'était. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Donc une contre-performance. En plus, ils ont pris 2 cartons rouges sur ce match-là. Donc on va dire qu'a priori, ça s'est mal passé. Ce qui est peut-être pas très bon pour nous parce que je pense qu'aujourd'hui ils vont avoir le couteau entre les dents et que entre le fait qu'ils soient une R2, qu'on ait une D3, que c'est la Coupe de France et que leur premier match s'est mal passé, je pense qu'aujourd'hui ils vont venir pour jouer un match très très sérieux, mais tant mieux. En vrai là je pourrais vous faire un schéma sur le tableau et tout ce qui s'ensuit, tout ça, mais je pense que ça sert pas à grand chose. On va pas se mentir. On en a parlé jeudi à l'entraînement.
Romain en a parlé un peu avec vous là-bas, Mastias aussi, j'ai entendu. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont deux mecs sur les côtés qui vont très, très, très vite. Ok ? Soyez très attentifs. Donc, ce que je vous demandais aujourd'hui, c'est, du moins sur le premier temps, de ne pas monter et descendre. Tout le temps. On assure derrière. Ok ? On assure derrière. Parce que je sais que, connaissance de cause, ça va très, très vite sur les côtés. Derrière, les deux sont trop, sont très physiques, mais pas rapides. C'est là qu'on va avoir notre chance. Nathan, Shams, Arthur, Nicolas, Mas, c'est là qu'on va avoir notre chance. D'accord ? Aujourd'hui, on va jouer comme on sait jouer. On va pas s'inventer une vie, on va pas commencer à se prendre pour des Ronaldinho et on va pas se chier dessus non plus. On s'est jamais chié dessus, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. R2 et R1, on s'en bat les couilles. Je veux que vous sortiez de ce terrain avec aucun regret. Quand je dis aucun regret, c'est aucun regret. Qu'on perde ou qu'on gagne, il faut avoir aucun regret. Ok, messieurs ? Allez, venez tous là. Venez tous là. Romain, t'as un truc à dire ? Allez, venez. On est ensemble aujourd'hui, messieurs, plus que jamais. Ok ? On sort de ce terrain avec aucun regret. On leur montre qui on est. On est des petits jeunes qui ont la dalle. On a la dalle. Ok, messieurs, pas de pitié. Aucune pitié. On rentre physiquement, on leur rentre dans la gueule. On ne se laisse pas rentrer dedans, s'il vous plaît. Ok, messieurs ? Allez, tous ensemble, allez, avec moi. Allez, tous ensemble. Prenez du plaisir, les gars. S'il vous plaît, prenez du plaisir. C'est des matchs comme allez, ça qu'on doit jouer. Allez, allez. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Je pose la question de la première séquence, la semaine prochaine contre Verneuil. C'est pas de bêtises et je crois qu'on est à l'extérieur. Let's go pour ce match du coup qui nous oppose au Paris 15 AC. Let's go, Vince. Je te laisse pas en ligne, non. N'hésitez pas à voter, let's go. Yo, allez, merci, vous êtes là, un petit peu en panique, récupération de vos 20 mètres, Paris 15, je vais avoir de la formation, 20 mètres là. Il manque encore là un petit peu de précision là dans la dernière passe, un petit peu de concentration. Il leur faudra peut-être moins d'action. Attention, ils ont frappé, c'est contré. Ouais, mais je vois ça aussi un peu comme de la frustration là. Ça faisait un moment que c'était pas venu devant nous, il y avait peut-être mieux à faire. Allez, encore un ballon perdu rapidement là, c'est ces ballons là où il faut faire attention. Renversement, magnifique, quel contrôle du numéro 11 là sur le côté droit, il est parti à l'entrée de la surface. Il pénètre dans la surface, il va s'entrer en retrait, attention, la tête. Oh non, c'est pas possible. Je pense pas que c'est de la nonchalance, c'est un petit manque de concentration. S'appliquer, faut bien réfléchir quand on a le ballon, qu'est-ce que je fais avec.
des numéro 9, numéro 10 là, qui décale une fois le numéro 2. Oh, attention, leur côté droit nous fait très 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 mal, ils rentrent dans la surface. Faut bien défendre là-dessus, super IB 2-0. Ah ouais, non, là-dessus, on n'est pas assez méchant. On n'est pas assez méchant, là, l'intervention d'IB. Tu dois pas juste toucher le ballon, il doit passer là. L'action d'avant. Allez, voilà pourquoi je vous demande de presser là-bas depuis tout à l'heure. On l'a vu, hein, t'as pas le droit d'afficher trop longtemps malheureusement. Non, faut aller vite. Il a réfléchi un peu 2-3 secondes et il y a un mec qui est venu sur lui, il a dû faire une passe en retrait, qui est venu dans la merde d'IB, qui a dû dégager un ballon. C'est comme ça. Et numéro 11 à nouveau. Allez, bonne intervention de Dylan. Oui, voilà, faut le lancer. Y'a pas hors-jeu. Y'a pas hors-jeu. Allez, Arthur. Oui, bien joué. Oui, bien joué. Voilà. Bravo, ce gars. Magnifique. Sur le terrain et on en prend encore 5. Vous voulez pas qu'on commence à travailler? Vous voulez pas qu'on commence réellement à travailler? Parce que vous avez travaillé 7 minutes là. Je suis dur, je suis désolé, mais c'est ce qui s'est passé. Faites-le, jouez décomplexé. Vous l'avez fait 7 minutes, vous avez vu les enchaînements de balles, je vous jure, on regardera. Ça sera court de toute façon, il y avait 7 minutes, mais. Vous avez eu plein d'enchaînements de balles, 1, 2, 3, 4, et puis, un fin de match, la faute, l'arrêt du gardien, on a failli faire 2-2, 3 buts derrière. Donc c'est juste la gestion des émotions, la gestion de votre attitude, ne baissez pas la tête. Vous allez peut-être en reprendre d'autres, vous allez peut-être en marquer d'autres.
Jouez maintenant. Vous avez une belle équipe en face de vous et vous avez moyen de travailler vos gros points faibles. Qu'est-ce qu'on attend? Vous voulez quoi? Il y a 5-1. Je suis pas en train de vous dire que c'est perdu ou que c'est... Non, je suis en train de vous dire qu'il y a 5-1. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, si vous, vous rentrez chez vous et vous êtes fiers de cette première mi-temps, moi, je ne le suis pas. Parce qu'on connaît tous vos potentiels. Quand je dis moi, c'est tout le staff. Donc, à vous de décider. Bah moi, je vais être beaucoup moins calme que lui. Je sais pas comment il fait. Vous attendiez à quoi? Vous attendiez à quoi? C'est une R2. Vous attendiez à quoi? Ils sont dans la surface, ils jouent en balle. On met la balle, on les regarde. Vous attendiez à quoi? Le seul moyen de gagner ce match, c'est de sortir en rampant. Parce que vous êtes mort. Si vous sortez de ce terrain en marchant, en faisant des blagues et en parlant, c'est pas normal. C'est que le match, on s'est pris 8-1. À quoi vous attendez, les gars? Le seul moyen de gagner ce putain de match, c'est de sortir sur les rotules. Sinon, c'est même pas la peine. On va être réaliste. On va être réaliste. Ouais, on peut rêver. Mais si on veut rêver, derrière, il faut y mettre les moyens. Faut se crever sur le terrain. Faut mourir sur le terrain. Sinon, c'est trop facile, hein. Oh, c'est des mecs de R2. C'est bon, vous avez vu comment ils ont du ballon, là? Là, on pleure dès qu'on prend un coup. Si on jouait tous comme Dylan, je peux vous assurer qu'il serait moins devant le but. Je peux vous l'assurer. Il peut pas nous manquer des choses comme ça quand on sait que techniquement et tactiquement, il nous manque aussi des choses. On va être honnête à un moment donné, non? On est moins bon tactiquement qu'eux. Ils sont meilleurs que nous techniquement. Vous allez vous le dire ou pas à un moment donné? On va arrêter de se raconter des histoires, on est tous d'accord là-dessus. Donc à partir de ce moment-là, la chose qu'on doit compenser, c'est la dalle. C'est pour ça qu'on insiste un peu. Et ça, tout le monde là, il n'y a pas besoin d'être en R2 pour de la dalle et de la combativité, messieurs. C'est ça qui nous agace. Ça, il n'y a pas besoin. Hein. Allez. Donc clairement, si vous voulez gagner ce match, là maintenant, tout est possible. On s'en branle, il y a 5-1, oui, c'est un grand nombre. Tout est possible. On l'a déjà vu partout. Ça s'est déjà vu. Mais par contre, si vous voulez gagner un match comme ça, il faut sortir sur les rotules à la fin du match. Eh oui. Allez, les petits bleus, allez. Tom, tu sors, Max, tu prends sa place. Nico, tu sors. Et Chef, tu prends sa place à gauche. Allez, messieurs. Allez, les gars. Cette idée, c'est pas de sortir bêtement. Hein. C'est pas de monter le bloc haut, juste. Allez, les gars, allez, juste. Combativité à fond. Quand on récupère la balle, on y va, messieurs, allez. C'est exactement ce que je disais, ce que Nathan a fait, on l'a quasiment pas vu. Allez,
À partir de mardi, je veux voir tout le monde à l'entraînement. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Vous n'allez pas toucher un ballon. Je vous le dis clairement, vous n'allez pas toucher un ballon. Peut-être un ou deux, parce qu'on n'aime pas faire du physique sans ballon. Mais croyez-moi que si vous voulez qu'on roule sur la D3 cette année, avec la prépa qu'on a fait, il va falloir donner les bouchées de l'eau. Sinon, on va se faire rattraper. Je vous le dis clairement. Il faut être réaliste. Là, si on a pris une branlée aujourd'hui, le score, en vrai, je m'en fous. Hein, parce que c'est R2, ça joue très bien au ballon, on va pas se mentir, ils sont largement au-dessus de nous. Mais derrière, il y a des choses qui ne vont pas. Quand on lâche autant sur un terrain, c'est pas normal. Enfin si, c'est normal parce qu'on n'a pas de prépa. Forcément, on ne s'attendait pas à grand-chose. Je ne m'attendais pas à jouer plus de 60 minutes. Si tu te claques, si tu as mal comme ça, ton avis, c'est pourquoi? Tu peux me dire que tu as fait des footings pendant 3 semaines en vacances. Tu crois que faire des footings en vacances, c'est une prépa physique? Donc oui, je suis personne pour vous dire n'allez pas en vacances. Bien entendu, je suis personne pour vous dire ça. Mais par contre, d'ailleurs, faut pas s'étonner de prendre une branlée par une R2. Parce que depuis 7 août, ils s'entraînent. C'est normal, c'est une R2. Mais la Coupe de France, c'est ça. Quand on joue des équipes de ce niveau-là, il faut se préparer. Si on n'est pas prêt, on prend des branlées. Voilà. Donc la prochaine fois que je pose la question, soyez réaliste. C'est pour ça que je vous le dis que maintenant, parce que je voulais pas vous empêcher de rêver et de fantasmer sur une victoire. Moi-même, d'un côté, j'y rêvais et j'y fantasmais. Mais dans un coin de ma tête, j'étais réaliste en me disant qu'on avait... Allez, encore, je dis 2 semaines de prépa, je suis gentil. Hein. Je suis gentil. Ok, messieurs? Donc là, cette année, si on veut rouler sur la D3, il faudra mettre les bouchées doubles. Tous ensemble. Ok?